Bonjour à tous, ici Charlie 13 pour une nouvelle vidéo de Tomb Raider 2. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait l'achat d'un casque micro, hein, afin de faire un autre type de vidéo. Notamment des let's play, hein, donc voilà. Donc, dû à quelques soucis techniques en changeant de système d'exploitation, en fait je n'avais plus le son en fait hein, voilà, j'ai cru que ma carte son était défectueuse au début, alors qu'en fait non, il manquait juste tout simplement un driver. Donc Windows a réparé ce problème tout seul, ce qui fait donc que j'ai fait l'achat donc à la place d'un casque micro et d'une nouvelle carte graphique. Donc voilà pour la petite histoire. Donc voilà. Donc on commence. Enfin, je commence à faire ces let's play, on va dire, de Tomb Raider 2. Voilà. Donc on va reprendre là où on en était, c'est-à-dire au temple de Xian. Hein. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps en fait aussi à faire cette vidéo parce que j'ai formaté mon PC. Hein. En même temps de mettre mon nouveau système d'exploitation, hein, c'est logique. J'ai donc formaté mon PC et donc j'ai donc dû forcément tout recommencer puisque je n'ai pas de gardé de sauvegarde. Donc j'ai dû tout recommencer. Donc voilà. Allez, on va pas perdre plus de temps que ça, on va se lancer. Voilà. Donc voilà, on y est. Allez, et le temple de Xian. Un de mes niveaux préférés d'ailleurs de ce Tomb Raider 2. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis, mais il y a beaucoup de pièges en revanche. Ça, des pièges, il y en a. Des pièges, des sauts, etc. quoi. Voilà. Voilà. Alors là, ici, bien faire attention, essayer de se mettre en arrière, c'est-à-dire de mettre là en arrière comme ceci. Parce que là on va récupérer un secret. Voilà. Faut s'accrocher. Hein. Et donc voici le premier secret du niveau. Voilà. Allez, pff, on va dans l'eau. Une espèce de carpe en or là. Très joli d'ailleurs. On va les éviter, hein, pas besoin de s'attarder dessus. Bon, quoi qu'on va les tuer. J'ai changé la vie. Voilà. Là, on va changer de flingue. Je vais prendre des pistolets automatiques. Ah, normalement, il doit y avoir deux tigres ici. Voilà. Et de un. Et de deux. Ah. On va faire un petit saut là. On va faire bien attention. Hein. Voilà, voilà aussi, non. Voilà ce qu'on risque. Allez! La première mort. Là. C'est pas grave. Donc voilà, il faut vraiment faire attention aussi avec ces espèces de sauts parce que bon, c'est il faut bien se mettre parce que sinon c'est radical. Hein. On se loupe, pardon, d'un millimètre, c'est mort. Hein. Donc voilà. Bon, heureusement que bon, je n'étais pas très loin, pardon. J'ai fait un peu de la merde là parce que j'ai perdu beaucoup de vie en faisant ce saut là. J'aurais dû le faire avant, c'est pas grave. Voilà. Voilà. On continue.
En plus, j'ai oublié de récupérer les munitions, en plus. Il y a des munitions qui sont juste derrière moi. Automatique. On va essayer de pas se louper, hein. Ça serait bien. Ouais, j'ai quand même perdu pas mal de vie quand même en faisant ce saut là. Bon, là on va appuyer sur la touche action, comme ça elle s'accrochera s'il y a. Bon, ça va. Pour éviter qu'elle se cogne au mur, pour qu'elle s'accroche, mais bon, ça va. Voilà, on va actionner ce qui va ouvrir la trappe, je crois. Voilà. Alors, il y a un aigle. Je vais prendre une pharmacie. Hein. On n'est pas des masses, comparé au Tomb Raider 1. C'est vrai que j'en ai pas des masses, hein. J'ai 9 petites pharmacies, 18 grandes. Bon, c'est mieux que rien, me direz-vous. Allez, on continue. Chaque fois celui-là je l'oublie. Hein. Chaque fois je l'oublie, cette petite araignée. On va faire attention, hein. J'ai pas besoin de vous le dire. Allez-y tranquille. Il n'y a pas le feu. Voilà. Hop. Voilà. Aller là-bas. Bon, parce que j'étais à 25 FPS tout à l'heure. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà. Ça commence pas à merdouiller. De toute manière, c'est pas normal. Hein. Donc là, on se dirige pour récupérer le deuxième secret. Voilà. Voilà. On repart d'où on vient. L'échelle là, je sais pas si vous l'entendez, mais vous devrez entendre normalement. Il y a une espèce d'araignée, mais je ne sais pas où elle est. Bon, c'est pas bien grave d'ailleurs, hein, mais je ne sais jamais sous ses qualités, bizarrement. C'est vrai que j'ai déjà regardé là, il n'y a rien. Enfin, bon, on s'en va. On continue à faire attention parce qu'il y a des piquants là. Bon, de toute façon, c'est assez large. Hein. Voilà. Il faut aller de suite avant qu'elle s'accroche complètement. Comme ça va plus vite. Sinon, si elle met les jambes, ça risque de mettre un peu plus de temps. Voilà. Là, on monte un coup. On fait un saut pyrénéen en arrière et en avant. Et voilà. Là, on va sur les plateformes. Sur la dernière. On se laisse tomber. Voilà, on récupère les balles de fusil à pompe, pardon.
là, faire attention aussi. Oh. Mes arrières, je vais sauvegarder hein, pour pas faire de merde encore. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, on descend en bas pour prendre les balles de grenade. Enfin, balles de grenade, je sais pas si ça se dit comme ça. Des balles pour lance-grenade, quoi. Tout simplement. Voilà. Si on saute ici, ça va plus vite. Voilà. On va actionner le levier. Voilà. Donc là encore un petit jeu de saut. Ah non. Ah non non non. Non j'ai cru. Non je crois que c'était là mais non. Ah super. Ah bah oui pour le coup c'est vrai que je les ai pas tués. C'est vrai que je les ai pas tués. C'est vrai, c'est vrai. Bon c'est pas grave. C'est pas très. Et ça où comment ça joue encore 25 FPS. Hein. Ah ça m'énerve ça par contre ça. Heureusement que ça dure pas très longtemps. Voilà, donc là on entre ici. Donc voilà. Ouais, espèce de. Ces fameuses statues en terre cuite, je crois, si c'est bien ça, si je me trompe pas. On va faire attention à ça, évidemment. Hein. Ça vous connaissez, vous l'avez déjà vu au niveau de la cage de Bartoli. Une espèce de petit piège. Là, on monte ici, je crois que c'est ici d'ailleurs. Le petit jeu de saut dont je parlais. Oui, c'est ça, c'est ici. Donc là aussi faire attention. Voilà. Voilà. Tac. Et tac. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Voilà. Sauter en face. S'accrocher. Voilà. Oula, je me rappelais plus de ça. Ah oui. Voilà, il faut essayer de faire vite. Hein. Laissez tomber la trousse à pharmacie. Hein. De toute manière, vous aurez pas le temps. Hein. Parce que là, vous voyez que ça se rapproche assez vite. C'est limite, limite. Voilà, donc laissez tomber la trousse, hein, c'est pas besoin. D'ailleurs, ça fait partie des pièges. Hein. C'est fait justement exprès pour vous appâter et vous faire mourir. Donc là, c'est tout de suite sur le côté parce que là, il y a une pierre là, ici. Voilà, de toute façon, elle va tomber. Voilà. Là. Mettez-vous comme ceci. Et hop. Hop, non. Ah, non, non, non. Je me suis trompé. C'est un peu plus sur le côté. Alors, on va essayer de faire ça bien. C'est pas bien. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, monter à l'échelle. Voilà. Bon, là, je vais allumer des torches. Enfin, une torche. Hein. Ok, il y a un actionné ici. D'ailleurs, il faudra vite se retourner parce qu'il y a un tigre derrière nous. Hop là. Voilà. Donc, je vais en prendre une autre. Voilà.
un autre piège. Notre piège bien juste là. Je vais sauvegarder. Voilà. Hop. Tuc, tuc, ouais. Hop là. On fait découper. C'était juste, hein. Ah, j'ai mal fait là. Ah, j'ai très très mal fait là. Voilà. Voilà, sortez au pistolet. Voilà, deux aigles. Voilà. Donc là, vous voyez un interrupteur ici. Je vais prendre une torche pour mieux y voir, on sait jamais. Donc voilà. Donc là, c'est un jeu de rapidité. Il faut vite y aller avant que ça se referme, puisque ça se referme assez vite. Là, vous allez voir. Oh, hop là. Voilà. Ça se referme relativement vite. À faire attention, se mettre sur un côté et passer. Voilà. Voilà, le mieux c'est de mettre carrément sur un côté, c'est le mieux, c'est l'idéal. Oula. Donc là, c'est aussi c'est la même chose, c'est un jeu de rapidité. Hein. Donc actionnez, faites un saut périlleux sur le côté. Voilà. Comme ça, vous avez le temps. Là, une autre astuce. Parce que là, il y aura une ouille qui va descendre. Une autre petite astuce, là, vous reculez. Et vous laissez la boule passer. Comme ça, vous aurez bien le temps de sauter. Sans avoir la boule derrière vous. Voilà. Ça m'énerve quand même de temps en temps qu'il se met à 25 fps, là, ça m'énerve. Ça m'énerve un petit peu. Mais enfin bon. On verra d'arranger ça, pardon. Voilà. Allez, on continue. Bon, ici, rien. Par contre, il faut une torche. Voilà. Actionnez le levier. Voilà. Ici, d'ailleurs, il y a le troisième secret. Le troisième et dernier secret. Oula. J'ai failli me casser la gueule. Donc. Donc ah, ben. Bah. Il me disait aussi. Bon là descendre tranquillement, voilà, parce que sinon vous risquez de perdre de la vie bêtement et inutilement. Voilà, sauter ici. J'ai perdu quand même pas mal de vie quand même. Donc on va faire quand même une sauvegarde hein, au cas où. J'ai pas envie de tenter le diable. Voilà. De toute façon, il va falloir que je prenne une pharmacie. Il va falloir quand même que je prenne la pharmacie. Petite, ça devrait suffire. Hop, on saute et on peut faire un petit pas en arrière et on saute. Ah, bon là il faut reculer tout de suite et s'accrocher. Là pareil, sinon la boule va vous écraser. Voilà.
Bon, maintenant là, comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de tremplin. Il va nous permettre de récupérer le troisième secret. Là, le mieux, c'est de se retourner. Voilà, comme ceci. Et voilà. On y est. Est-ce qu'il va vous donner des cartouches d'usine? Beaucoup d'ailleurs, au passage. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartouches. Hein, je devrais en avoir quand même. Hein. Ouais, ça. 4853, ça va. Alors là. Voilà. Donc là, sautez ici. Hein, directement, accrochez-vous. Ici. Voilà. C'est vrai que c'est un de mes niveaux préférés quand même, parce qu'il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de pièges dans celui-là. Il y a vraiment pas mal de pièges dans ce niveau-là. C'est plutôt intéressant. Il y a très peu d'ennemis, hein. Pas très coriace. Hein. Ce qui d'ailleurs va changer au prochain niveau, hein. L'île du ciel. Donc le niveau après l'antre du dragon. Non. Oui, je crois que c'est un antre du dragon, je crois, si je me trompe pas. Et donc c'est vrai que c'est un niveau que j'aime bien, quoi. N'hésitez pas à poster des commentaires sur ma vidéo pour me dire ce que vous en pensez, hein, ce nouveau type de vidéo que je fais, hein, si ça vous plaît ou pas. Hein. N'hésitez pas à me le dire. Hein. Même des conseils, hein, je suis preneur. Hein. Je suis tout à fait preneur. Oula, oula, oula. C'est juste là. C'était juste là. Là, je crois qu'il y a des tigres, j'allais dire. Effectivement, il y en a. Et ça retombe encore à 25 FPS, ça m'énerve. Ici, toi. Ah. Comment ça débarrasse? Allez, on va placer le sceau du dragon, hein, ce qu'on a récupéré tout à l'heure. Ah oui, ah bravo. Il y a le son de la porte une fois qu'elle est ouverte. C'est pas mal ça, hein. Une fois que la porte est ouverte, il y a le bruitage. C'est génial. Bon là, hein, pas besoin de vous faire un dessin. C'est très simple. Vous attendez qu'elle repasse. Voilà, vous y allez. Vraiment, vous avez le temps. Voilà. Là, c'est un jeu de rapidité aussi. Il faut actionner toutes les manettes. Voilà. Trois manettes en tout. Enfin, toutes les manettes. Il n'y en a que trois, je vous rassure. Hein. Il n'y en a pas 50 millions, hein, comme on pourrait le croire. Voilà. Alors pourquoi faire vite? Ben pour la simple raison, pour éviter de se faire écraser par ce joli mur avec des piquants. Hop là. Et hop, on continue. Là je crois que je vais prendre le harpon parce que là il y a des. Je crois qu'il y a une carte ici. Ah, je l'ai manqué, je crois. Voilà. Alors là, on va actionner ce levier qui aura pour effet de monter le niveau de l'eau. Voilà. Ce qui va nous permettre aussi de récupérer
Une pharmacie des balles. De grenades. On continue là où il y avait la carpe. Bon là par contre il va falloir faire assez vite parce qu'on sera assez limite niveau oxygène. Donc il faut essayer de faire un petit peu vite. On dirait pas comme ça mais on va être quand même assez limite. Vous allez le voir. On va récupérer la pharmacie. Ce qui nous fait perdre un peu de temps. Mais bon, je la récupère quand même. Vu que j'en ai pas beaucoup. Là on se retourne. Et on actionne le dernier levier. Voilà, bon là on y retourne pour actionner un autre levier qui va nous propulser. Voilà. Hein, vous pouvez voir la barre d'oxygène hein, qui est quand même assez courte. Hein. Oh! Ah tiens, c'est... oh non, c'est pas normal ça. Oh l'enculerie. Ah pardon, excusez-moi, mais là franchement c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Ça aurait... Oui bien sûr. Ça me propulse au dernier moment. Ouais. Non parce qu'en fait ça aurait dû me propulser, si vous voulez. Ça m'aurait permis de gagner un peu de temps quoi. Non, enfin bon c'est pas grave. Prenez ce passage qui s'est ouvert. Actionner le levier. Oh, c'est franchement dégueulasse quand même. Enfin, je suis dit, c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà fait ce niveau, ça m'est déjà arrivé. Voilà, monter le niveau de l'eau. Voilà. Bon, j'espère qu'elle n'a pas duré trop longtemps cette vidéo. Hein. Cette première vidéo. Hein. Où je parle. J'ai fait une connerie, c'est pas grave. C'est pas ce que je vais faire. Allez, bouge-toi. Voilà. Ça va. Voilà, vous pouvez voir qu'on est. Là où il y avait les piquants, avec la petite pharmacie. On va récupérer les balles. Deux fusils à pompe. Voilà, deux cartouches. C'est pas négligeable. Le petit mur avec des pics. Donc il faut faire assez vite. Je vais allumer une torche quand même parce qu'on sait jamais si vous y voyez pas. Oula, c'est où ça? Ah, c'est là. Ah. Oui, là je crois qu'on va récupérer une clé. Avec une pharmacie normalement. Je crois que je les ai tués les poissons d'ici. Ouais, je les ai tués. Voilà, la petite c'est la serrure. Enfin, petite. Avec une grosse clé quand même. Hein. Voilà. Passez par la porte que vous avez ouverte. Alors là, rentrer là-dedans. Voilà. Prendre notre torche parce qu'ici il fait assez sombre. Je vais prendre le harpon parce qu'il y a une carpe. Oh là, oh là, oh là là, oh là là, qu'est-ce que c'est ce bug? Oh là, la perte de temps, c'est pas possible. Bon là il y a un levier, il faut l'actionner. Je vais revenir sur mes pas parce que sinon je vais la noyer. Oh, ça commence mal hein. Et premier let's play, ça commence mal. J'ai déjà fait mieux. Hein. Non mais vous avez vu hein, espèce de petit bug là avec l'arme. Comme si elle l'avait pas dans la main. Quand même... Voilà, une autre carpe.
comme si je l'avais pas pris. C'est quand même extraordinaire. Mais t'es où? Normalement, je pense pas que je reviendrai ici. Bon, là par contre, il va y avoir des plus grosses araignées. Et un peu plus grosse, hein. Alice, ça m'énerve quand je descends là, comme ça, là, 25 FPS là. C'est pas possible ce truc. Qu'est-ce qui lui arrive? On va prendre notre torche. Ah bravo. Oh là là, sont déconnus, c'est extraordinaire ce truc. Extraordinaire. Ah, il est beaucoup ça. Elle est toute petite. Une toute petite araignée. N'oubliez pas de récupérer les balles d'Uzi là-bas. Voilà, il y aurait dire encore des araignées, mais bon, vous pouvez les semer, hein. Oh putain, c'est pas vrai, ça arrive qu'à moi ce genre de truc, c'est pas possible. Puis au moment où je veux m'accrocher, elle jette la torche, c'est formidable. Oh, ça commence super bien, hein. Aïe aïe aïe, c'est pas possible. En plus, ce truc qui. Ah, maintenant ça tombe à 20 FPS. C'est génial, putain. Faut vraiment que je trouve un truc là-dessus. Là. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais moi? Oh là là, je fais vraiment de la merde. Putain. Putain, je joue mieux d'habitude. Oh, j'en reviens pas. Hallucinant, ça me fait halluciner. Oh, le temps que je perds, c'est pas possible ça. Ah, attention, je ferai sûrement des coupures. Ah, c'est obligé. Ah non, mais là, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible, mais là, ça devient pas possible. Oh là là. Incroyable. Comme je suis mauvais. Ouais. Vas-y. Ouais. Je me suis dit que vas-y, retombe encore une fois, là je vais péter un câble. Heureusement que je meurs pas, parce que là j'ai pas sauvegardé depuis un petit moment, je crois. Jeter la torche là. Ah, récupérer la clé, revenir sur ses pas, voilà. On va revenir sur ses pas pour ouvrir une autre porte. Il se trouve juste ici. Et ça retombe. Là, je suis actuellement à 22 FPS.
Ah, c'est bon, c'est remonté. Ça doit être trop d'acidité, ça c'est obligé. D'habitude, quand j'enregistre avec Fraps, ça me fait jamais ça. Munitions des pistolets automatiques. On se dirige par là. Là, il y a un aigle sur le côté, normalement. Allez, bouge-toi un peu. Génial, il est coincé, lui. Bon, hop. On se tire. C'est bon, pas besoin de rester là. Une pente, donc un petit saut périlleux en arrière. Voilà. Voili voilou. Donc on se dirige par là. Voilà. Donc là, en sorte de ne pas se planter. Ça serait bien. Voilà, c'est bon. Ah, vous pouvez récupérer la pharmacie, les balles d'usine. Ouais, il va falloir faire vite. Voilà. Il faut des guillemets. Parce qu'il y a une petite aigle. Voilà. Alors, on va laisser revenir. Et on suit. Sur le côté. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, n'allez pas là-bas, c'est pas la peine. Ici, là-bas, vous pouvez voir qu'il y a, vous pouvez constater qu'il y a une échelle. Hein. Mais étrangement, on peut pas s'accrocher sur cette échelle. Je vais vous le montrer, tiens. Voilà, en tout cas, chez moi, on peut pas s'accrocher, c'est pas possible. Hein, je suis jamais arrivé. Je vais sauvegarder, je vais vous montrer. Voilà. Je saute sur la dalle en bas si je me plante pas. Voilà, c'est bon. Voilà. Attention, hein. Là en théorie on saute et on s'accroche. Donc en théorie on devrait s'accrocher, hein, mais vous allez voir ce qui se passe. Et voilà, c'est extraordinaire. Donc voilà. Vous pouvez constater qu'on ne peut pas s'accrocher, quoi. Voilà, je peux le refaire. Hein. Je vais le faire encore une fois. Voilà. Hop. Et voilà. Qui est très bizarre. Enfin bon. On va charger la partie. Voilà. Enfin. Donc hein, voilà, ça sert à rien d'aller là. Je me suis déjà fait avoir moi-même. Procéder quand même ici à une sauvegarde parce qu'ici c'est un endroit un peu tordu. Oh merde, on va charger ça tout de suite. Voilà. Voilà. Et ici, fait des petits. Sur le côté. Là, il faut s'accrocher. Hein. Voilà. Il faut s'accrocher tout de suite parce que sinon, vous vous mangez le mur et c'est mort. Hein. Donc voilà. Là, prenez la pite d'en face, sautez en face. Voilà.
Voilà. Bon, là, c'est des murs qui servent un peu à rien. C'est des murs avec des piquants, mais qui servent à rien, je trouve. Enfin, selon moi. Ça sert pas à grand chose. Descendez ici. Je vais prendre une petite torche. Ah, notre mur. Hein. Notre mur avec des piquants. Sautez, accrochez-vous et montez. Prenez pas. Hein. Oui, je crois qu'il y a un levier actionné au bout. Voilà. Donc là. Oh! Qu'est-ce que je fais là, lui? Mais il est pas d'aigle, là. Oh, c'est très bizarre ce truc. Ah, bah tiens, ça alors. Enfin bon. Parce que bon, quand je l'ai déjà fait, quand je l'ai fait, il n'y avait pas d'aigle ici. Bizarrement. À des coups, on se retrouve avec un aigle. Enfin. Vaut mieux pas chercher le pourquoi du comment. Donc là, on descend. Voilà. Procéder à une sauvegarde aussi ici. Voilà. Vaut mieux sauvegarder quand même assez souvent. Hein, pour éviter de tout recommencer bêtement, à sauter tout de suite. Vous pouvez le voir quand même que c'est assez limite le saut, donc faut vraiment vite, vite, vite sauter. Voilà, bon, il faut faire aussi attention. Hein. C'est un peu con comme saut, mais je me suis déjà fait avoir par la porte. Voilà. Sauter sur la dalle. Oui, mettez la clé. Voilà, bon, là on arrive presque à la fin du niveau. On est quasiment à la fin du niveau. Voilà. Donc là, pas besoin de s'accrocher. Voilà, c'est bon. Bon, là, un autre truc qui sert à rien. Je sais pas si vous allez le voir là, mais ici, sur le côté de la plateforme, hein, c'est la plateforme où on peut sauter, hein, c'est là où il n'y a pas les piquants, il y a une espèce de levier. Ce levier, je vous le dis tout de suite, il sert à rien. Enfin, ici, il sert à éteindre les flammes. Mais ça sert à rien d'aller là en fait. Parce qu'en fait vous allez revenir sur le point de départ, c'est-à-dire la dalle où je suis moi. Donc voilà, hein, ça sert, ce levier sert à éteindre les flammes. Hein, donc il n'y a aucun bonus, il n'y a rien. Hein, donc ne cherchez pas à actionner ce levier, il sert à rien. Donc voilà. Montez directement à l'échelle. Voilà, qui vous conduit droit vers la fin du niveau. Enfin non. Non, je me trompe. Bon, enfin oui. C'est pas cette échelle-là, mais c'est l'autre. Voilà, prenez sur votre gauche. Voilà, ici. Dans la deuxième salle là, qui est jumelle de l'autre. Qui s'est jumelle, quoi. Faire attention à cette pente là-bas. Voilà. Hop. Voilà. Donc grimper sur cette échelle là. Donc là, il va falloir que je fasse gaffe, hein, parce que ça peut être fatal ici.
si ça peut être fatal si on fait pas attention. Hein. On va descendre un coup là, je le sens pas. Hop là, voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de ce niveau qui est le temple de Psyan. J'étais ravi de vous présenter ce niveau. J'espère que ça vous plaira. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à poster un commentaire critique. Savoir si ça vous plaît ou non. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à poster le commentaire surtout. Allez-y, hein, si vous avez des astuces ou des conseils à me donner, je suis preneur. Donc voilà. Pour finir, je vous souhaite quand même une bonne et heureuse année, hein, puisque bon, on entre dans l'année 2012. Hein. Donc, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année et à très bientôt pour une prochaine vidéo de Tomb Raider 2. Voilà, je vais vous laisser apprécier donc la dernière cinématique. Enfin, la dernière. La cinématique de ce fin de niveau, pardon. Vous êtes toujours là ?